putain. Mais non! C'est dingue comment on peut s'énerver pour si peu finalement. Mais je comprends. Le mec il passe 10 ans dans les bouchons, tu dois péter un câble quoi, force. Tu vois un mec qui te passe devant et qui laisse passer une meuf alors que c'est rouge quoi. Mais tu dois, mais. Aïe 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 aïe. L'énorme fail. L'énorme fail. Au départ du feu quoi. Au départ de la course, le mec il fait un énorme fail. Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire quoi? La lose. Ça c'est le passage de la mort. Ça. C'est si t'as des couilles t'y vas. Putain. Oh la vache, c'est chaud. Ouais non c'est chaud ça. Ouais non ça passe pas. Franchement je pense que ça passe pas. Et puis ça donne envie d'y aller quand même. Bon allez vas-y. Oh fuck, vas-y ça passe pas. Oh là là là. C'était le passage de la mort. Allez, ici c'est le YOLO, le bordel, vas-y. Putain. Oh là 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 là, c'est vraiment la merde, cette putain de place. C'est une shiver, putain de merde. C'est une shiver qui vient de passer devant moi, putain. Jamais, t'en vois jamais, quoi. Il aura encore moins à Lille, puisque demain, on lui dit au revoir à la petite chichi. Ah, ça va changer le trail, hein. Ça va changer. Fuck, qu'est-ce qu'il fout? What? Ouai, aïe, aïe, aïe. Ok, ça marche. Merci! Oh la vache, ah putain là. Putain, toute l'essence qu'il y a par terre, non mais Théma quoi. Putain, c'est chaud. Ouais, merci. Sérieusement, c'est quoi? C'est quoi gros? C'est quoi? C'est le goûter qui t'est offert par Ibis. Les petites madeleines. Tenez, je vais le prendre ici. Merci beaucoup. Ça ira. Énorme. Merci. Bon, c'est peut-être pas ça qui me fera aller chez Ibis, mais... Wouah la vache, c'est une patinoire quoi. Full essence partout quoi. Vache, je suis pas serein, la moto elle part demain, je la vends demain. S'il y a une seule couille, je suis foutu quoi. Putain, de merde alors quoi. Tu fais quoi toi? Arriver comme une balle comme ça, comme un zizi quoi. Putain, le portable et le rétro quoi. Bah non mais regarde, je te montre, mets ce rétro là, bim, et ça se remarchera mieux. J'ai pas trop insisté sur le frein avant, c'est con, parce qu'en fait je pourrais tirer dessus. What the fuck? What the fuck quoi? J'ai la trace que t'as. À l'aise! Non, mais ça, c'est l'excuse. J'habite à côté. Putain, bah il a bien niqué ses pneus, ce con. C'est un bon, lui! Je reste sans voix. S'y aventurerait-on? Ouais, après tout, j'ai quand même un trail. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Faut pas se la péter d'avoir un trail si pour à côté, c'est pour rouler tout le temps sur la route. Hein. Allez, c'est parti. What? Ça glisse! C'est ça qui est bon en fait. Oh là 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 là! C'est énorme! Par contre, là, faut faire super gaffe en fait parce que j'ai vu les vidéos de Galore, il se casse la gueule. C'est fun parce qu'en fait, c'est des endroits où personne ne va jamais. Et ça, j'adore ça! C'est complètement exotique.
Mais genre tous les matins c'est ça. Et tous les matins je me dis, mais même s'il pleut là par exemple, je me dis mais qu'est-ce que je suis content d'avoir une moto. En plus que ce soit une passion, ça devient une facilité de vie du coup pour aller au boulot ou quoi, enfin. J'ai failli les gars, j'ai failli sans déconner me casser la gueule. Et quand c'est retombé, ça a fait un gros... Paf. Bon bah, rip les... Rip les joints spi, quoi. Toujours peur qu'il y ait un FDP qui tourne. Dernier moment comme ça, quoi. J'ai toujours peur sur ce truc-là. Putain de sixième sens, quoi. Mais attention un peu, regarde! Heureusement que je les anticipe, les c*** comme toi! Le pire, c'est les gens qui ont vu que t'étais là, qui ont vu qu'on fait une connerie, mais continuent quand même à se rabattre, tu sais. Alors que toi, t'es déjà sur la voie comme un connard. C'est un fléau, les amis, un fléau!